Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Ce matin, nous déclarons et décrétons que les ténèbres ont définitivement reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres n'ont pas d'emprise. Les ténèbres ont échoué lamentablement. Le royaume des ténèbres a échoué. En 2017, c'est terminé. Devant. De la maladie, les ténèbres du découragement, les ténèbres de la peur, les ténèbres de l'angoisse, les ténèbres de l'affliction, les ténèbres du harcèlement, les ténèbres du doute, les ténèbres de la peur, les ténèbres de la dépression, les ténèbres du découragement ont cédé et se sont éloignés. Nous déclarons et décrétons en j'annonce contre un passant chrétien, contre ma famille, contre mon foyer, contre ma postérité, contre mes enfants, contre mon futur, contre ma destinée, j'annonce devant le sang de Jésus et devant Christ manifesté, formé, bâti, assis, établi. Je vois les ténèbres. Ténèbres reculent devant Christ. Lorsqu'il vit, lorsqu'il est formé, lorsqu'il est bâti en moi, lorsqu'il est fondé, établi, lorsqu'il est formé, façonné. Et voilà ce qui sera manifesté cette année 2017. On verra Christ visible. Et les ténèbres sont terrorisées devant l'aspect de Christ. Les ténèbres sont épouvantées devant Christ. Et elles seront continuellement épouvantées devant l'expression visible de Christ assis. Encore une fois, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant la Et le sang versé pour moi.
bâti ma vie, ô Christ en moi, bâti ma vie, bâti, bâti, faisons ta prière ce matin, ça sera ta prière pour 2017, ça sera ta prière pour cette saison, alors tu as intérêt à prier dès maintenant. Tu as intérêt à faire monter de ferveur. Tu as intérêt à être sincère. Tu as intérêt à être déterminé. Parce que dans cette église, dans cette plateforme, c'est la saison où il bâtit. C'est la saison où il assied. C'est la saison où il forme vie. Bâtit, bâtit. Bâti, 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 bâti. Il va t'aller ma propose. Il va t'aller ma propose. Bâti, bâti, bâti. C'est ça que je voulais mesurer. C'est ça que je voulais mesurer. Combien de personnes en font une prière et pas un chant? C'est là où on voit la différence entre toi et ton voisin. Ton voisin chante, toi tu es en train d'intercéder. Ton voisin est en train de murmurer, toi tu es en train de crier à Dieu. Y a-t-il une multitude de véritables adorateurs dans ce lieu? Je ne t'entends pas ce matin. Qu'on ne me dise pas qu'il y a un premier culte où on est froid et un deuxième culte. Non, je ne crois pas au premier ni au deuxième. Je crois à la réalité des véritables adorateurs. Bâti ma vie. Bâti, bâti, bâti. Fais monter, fais monter, fais monter. Plus fort, plus fort. Tu ne prêcheras pas 2 heures. Fais monter plus fort. Est-ce que c'est tout ce que tu es capable de donner? Bâti, 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 bâti. Fais monter. Tu n'es pas en train de chanter. Tu es en train de crier au Seigneur. Et ma Bible dit lorsque les justes crient, le Seigneur entend. Bâti, bâti. Bâti, fais monter plus que ton voisin. Si la voix part, elle reviendra à la fin de la journée. Mais il faut que je lui rende un culte qui lui est agréable. Bâti, 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 bâti. Bâti ma vie. Bâti, bâti. Bâti ma vie. Christ formé, Christ assis. Bâti, bâti. Bâti ma vie. Bâti ma vie. Fais monter. Bâti ma vie. Bâti ma vie. Bâti ma vie. Oh Christ, bâti ma vie. Bâti ma vie. Bâti ma vie.